peu. Aide au nourrissage d'une nichée de 5 petits. Et voilà, ici un petit cinnamon, on voit qu'il est plus clair que les autres. Celui-ci, à l'aide de NutriBird. Pour soulager la mère, bien faire démarrer les petits. On voit le petit cinnamon ici, avec les yeux qui sont plus rouges que les autres. La teinte est plus claire, la peau est rose, le duvet est blanc. Voilà, là il y en a 4 qui se font nourrir. Le cinquième, je vais le réveiller après parce que ça fait beaucoup à gérer, avec du NutriBird liquide sur un cure-dent. Voilà, toujours la petite cinnamon qui demande, on l'abandonne, elle se pend au cure-dent. La mère les a nourris il n'y a pas longtemps. Je fais ça, voilà le cinquième qui se lève. T'en as pas eu? Toi t'en as pas eu? Eh oui, il se lève parce que lui c'est le seul qui avait le jabot plein. Voilà. Alors en ce qui concerne le facteur cinnamon, c'est un facteur récessif lié au sexe. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit présent sur les deux chromosomes X du mâle pour être exprimé. La femelle, par contre, ayant un seul chromosome X, puisque sa formule est XY, ne peut pas être porteur de la mutation. Elle est mutée ou elle ne l'est pas. Comme les parents que l'on voit ici ne sont pas cinnamon, ils sont tous les deux jaunes, panachés jaune et vert, dénomination actuelle jaune-noir. Ceci veut dire que le père est porteur de cinnamon et qu'il a transmis à un des oiseaux de la portée le facteur cinnamon. Comme la mère n'est pas porteur, cet oiseau n'a hérité que d'un chromosome X du père, et donc on peut être sûr que cet oiseau cinnamon sera une femelle. On les remet avec les parents. On les remet avec les parents. Voilà. La femelle revient. Voilà la femelle. Et le mâle au fond de la cave.